cash. Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies, or household expenses. Adage Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell Adage Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel pay and bills. Fridge, cooker, or washing machine not working. Car not starting, need repairs. When the banks say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit card. Allô, Onog. Ah, Crédit non ici li. Crédit non ici li. Ici Kassiko ici li. Bah quand tu es son nom Benga ici li. Yeah ici li. Oui Benga Angola t'es. Benga Angola. Bah na kala wana zomu na kana onyo kwama. Kassiko zoyu sanga Benga Angola. Ezapi wapi? Like ça. Bien like ça. Pona kubenga Congo Kinshasa call eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko nangai pona kubenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba pona kubenga Angola ezali 5 pi ya pamba balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Célibataire Night héroïne na Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na mango Magui Ramazani ya yo et sakala jamais ko raté et rataté pousana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze kamikaze life music Coco Gabana ako sakana bango na ndenge kutu tata ona beta kambunda akosa Magui Ramazani atie bango pousana Magui afanda maître cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mo mokete boya e belé mikolo balobi pousana Magui Ramazani afanda sakana bango toujours merci Lobo pour Wilby Roissy Bobo Koloke Jutun Joli Bakanja. Marie-Olive Lembe Kabila sait aussi revêtir cette peau de paysanne pour le développement de son pays. Sala, tu bongi sa moka papio.
Nzambi merci. Nzambi merci. Nzambi merci. Merci Nzambi. Mukolo mwa lelo mwa mukolo mwa mamari mwana mwana na biso boko na ngaye. Mama président que yo mema ki na mini na yo wa na makuru na yo oyebi ki yo mema ki ye bo ye wanda o mema ki na di kambu ya velo ye wanda ababa ya bibi so atindi di yo na mema ki ye yo bebe bebe nanga nana beti ya lo bana ye. Merci Mingi. Bienvenue dans la commune pilote des Bandalungwa. Que Dieu vous bénisse et que tu bénisses les gens. Oh, Mama Kabila Nzamba Poli. Salelae. Mama, Mama,
Thank you.
l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la première dame de la République s'est révélée une battante préoccupée par l'amélioration des conditions sociales du peuple congolais. Kabila a fait de l'éducation son cheval de bataille. Dès le premier trimestre de l'année 2007, la première dame, convaincue du rôle combien important que joue la femme dans la société, donne une nouvelle valeur à la date du 8 mars. Du haut de la tribune, l'épouse du chef de l'État appelle à la réforme de notre justice et invite les femmes à jouer pleinement leur rôle d'éducatrice, non seulement des enfants, mais aussi des adultes, afin de promouvoir nos valeurs traditionnelles. Moi, j'entends battre la journée de la femme, congolaise en particulier, et du monde en général. Par ma compréhension, c'est-à-dire qu'il y a eu une lutte quelque part pour qu'il y ait spécialement une journée pour la femme. La maman congolaise a tant souffert avec les multiples guerres que nous avons connues dans notre pays. Dieu merci, je ne cesserai jamais de citer son nom en toutes circonstances. Que nous avons eu Papa Joseph Kabila Kabange, qui a œuvré depuis son accession à la magistrature à la promotion de la femme congolaise en particulier, et qui s'est sacrifié pour que nous ayons la paix. C'est avec la paix que nous allons éradiquer ces fléaux de violence qui sont faits en particulier à la femme. Pour finir, merci beaucoup à maman et bonne fête de la femme. Encore lancée dans la campagne contre la polio et le VIH-Sida chez les enfants. Vu les statistiques alarmantes, la première dame appelle à la mobilisation des organismes internationaux et des personnes de bonne volonté pour prendre en charge les malades et aussi prévenir et combattre la propagation du VIH-Sida chez l'enfant. Et les partenaires organisateurs de cet événement, tout particulièrement l'UNICEF et l'ONU SIDA, initiateurs de cette campagne à travers le monde. Madame Marie-Olive Lembe Kabila reste active sur le terrain et soutient la campagne d'information, de sensibilisation et de réparation de la fistule organisée par l'UNFPA. C'est ici qu'elle va inviter les pouvoirs publics à prendre en charge cette catégorie des malades victimes des violences sexuelles.
Au-delà de toutes les actions contre ces violences, la première dame de la République reste convaincue que la rééducation des adultes et des jeunes filles est une stratégie majeure visant à changer les mentalités de manière à bannir la pratique du mariage précoce des filles mineures victimes des fistules lors des accouchements. Ayant pris un engagement permanent à soutenir toutes les initiatives visant la promotion de la prise en charge effective des malades du sida et du cancer du col du terrain, Madame Marie-Olive Lembe Kabila prend une part active au 9e congrès de la Société africaine de gynécologie et obstétrique couplé du 5e congrès de la SPOGO au Grand Hôtel Kinshasa. Une rencontre qui a réuni les scientifiques venus d'une dizaine des pays africains, de l'Europe et de l'Amérique pour échanger leurs expériences dans la santé de la reproduction. Patronné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le 9e congrès de la SAGO, qui avait été ouvert et clôturé par la Première Dame de la République, aura le mérite d'avoir décidé la mise en œuvre de la feuille de route pour la réduction de la mortalité à l'accouchement, de la création d'un environnement favorable pour la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, ainsi que la promotion du planning familial. Le prix du chef de l'État soutient également les initiatives des privés dans le domaine de la santé toujours. On l'a vu visiter et encourager la clinique Galiema Saint-Air pour la construction du nouveau centre de dialyse, les seuls à séjour pour toute la République. Elle va précéder à Kisangani, le chef de l'État, pour participer aux préparatifs de la fête nationale du 30 juin dans les chefs-lieux de la province orientale. Elle communie avec ses compatriotes. Faisant fi de l'étiquette protocolaire, elle va humblement à la rencontre des plus démunis. Une manière pour elle de faire participer tous les Congolais à la fête nationale. Elle crée la surprise lors d'une visite à l'hospice des vieillards dans la commune de La Tchopo. Cet endroit austère, aux conditions hygiéniques qui laissent à désirer, ne fait pas sourciller la première dame de la République. Femme des cœurs, elle embrasse tendrement les vieillards, fait leur lit, souffle sur le feu et en plus prend soin de la cuisine. Fervente chrétienne catholique, la première dame rehausse de sa présence la célébration du 20e anniversaire du mouvement des mamans catholiques au cours d'un grand culte d'action de grâce organisé à la cathédrale Notre-Dame de Lingual. Ouverte des présents, la première dame est bénie par ses pères qui promettent de l'accompagner avec leurs prières dans la lourde charge de première conseillère du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Marie-Olive Lembe Kabila a pris la route Kinshasa-Kikwit le dimanche 10 mars 2013 pour une visite de travail dans la province de Bangui.
Jean Canicien, gouverneur de province, est venu attendre les coups du chef de l'État à la frontière avec Kinshasa, au village Bachongo. Sur plus de 500 km, Marie-Olive Lembe Kabila va traverser plusieurs agglomérations où la population ne s'est pas privée les bonheurs d'ovationner le passage des coups du chef de l'État. Elle a marqué deux grands arrêts importants avant d'atteindre Kikwit. Allô? Bonoï? Ah, crédit en Sicile. Crédit en Sicile. Ici, Kassiko, Sicile. Bah, quand tu es son nom, Benga, Sicile. Oui, Benga, Angola, Benga, Angola. Bah, n'a qu'à la voir, nous sommes mon arrêt, non, nous, quoi, ma. Kassiko, c'est un Benga, Angola. Et ça, puis, ouais, l'accent. Tiens, l'accent. On a Benga Congo qui est ça, Col Eza Nango Kaka 19 Pia Pamba, Bandego Nangaye. On a Benga Congo Braza, Ezali 29 Pia Pamba. On a Benga Angola, Ezali 5 Pia Pamba. Balobi, visitez 3 fois www.bengaangola.com.